Situé à 45 minutes de Bafoussam, le village Bangwa, au cœur des Grassfields de l'Ouest Cameroun, a été fondé au XIVe siècle par un chasseur appelé Le Kemenye, dit Djarve. La communauté Bangwa est composée d'une peuplade répartie dans une vingtaine de quartiers. À la tête de cette communauté, un chef supérieur, Fonjampu Tchachon Anik Julio. Il y a 20 ans, Jampum Anik Julio en avait 17. Son père, Tchachon Waton Paul, roi de la dynastie Bangwa, venait de quitter cette terre. L'actuel monarque Bangwa, 24e de la dynastie que nous allons rencontrer, est entouré de 16 notables répartis en deux classes. Celle des 7, Kap Sombo, et la classe des 9, Kap Vu. C'est au jeune Julio qu'a été confiée la responsabilité du bâton de commandement du royaume Bangwa. Lors des obsèques de notre papa, que j'ai été soustrait parmi mes frères, parmi la famille, la grande famille royale, pour continuer à pérenniser ses œuvres et les œuvres de nos aïeux, à savoir la protection et la valorisation de nos cultures et l'encadrement de cette population et veiller sur des personnes et des biens. C'est une lourde responsabilité. Ce jour, j'ai reçu un choc parce que lors de la parade des obsèques, je vois des notables qui s'avancent dans la foule et puis qui m'encerclent. Et du coup, mes pieds ne touchaient plus le sol, on m'avait ramassé, certains qui tenaient le pied, d'autres les mains, et ils m'ont porté sur leur tête pour m'amener à un lieu que je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un événement que je n'ai jamais vécu, même quelque part, pour savoir que bon voilà, c'est pour te conduire au lac Am. C'est quand on m'amène au lac Am, je demande au notable qu'est-ce qui se passe. Laissez-moi pleurer notre papa avec mes frères et sœurs. Vraiment, je n'en revenais pas. Le lac Am, c'est à la fois un lieu délicat et un lieu d'initiation. Délicat, c'est à cause de sa fragilité, tout et tout. Parce que jadis, dans l'histoire, il y a des chefs qui n'ont pas pu traverser cette étape. C'est-à-dire, ils sont rentrés au lac Am et ils ne sont pas ressortis. Bon, peut-être frappés par la tradition ou bien par des mauvais sorts ou... à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand vous parvenez à traverser cette étape qui est capitale dans la vie d'un chef, chez nous, à l'ouest du Cameroun, et plus précisément à Bangwa, vraiment, il faut louer l'Éternel et rendre grâce à ses aïeux, parce qu'on a toujours besoin de leur protection pendant cette période d'initiation. Dès son accession au pouvoir, le jeune roi, après sa phase initiatique, place son magistère sous le signe de la réconciliation, de la paix et du développement du royaume dont il a la charge. Et le groupement traversait avant le décès de notre papa, du chef supérieur des Bangwa, Sa Majesté Tchachon Waton Paul. Le village traversait des moments difficiles. Donc, il y avait des crises multiformes. Soudain, un jeune de 17 ans arrive et hérite de tous ces problèmes et bien d'autres. Donc, après la sortie du lac Am, il y a encore une phase d'initiation
qui se passe maintenant au sein de la chefferie, le LACAP. Donc il y a le LACAM et le LACAP chez nous. Et les conditions, c'était de faire une fille et un garçon, dans la tradition typique bangoua. Donc je me suis vu encore cloîtré pendant 4 ans. Parce que j'ai fait plus de 4 ans avant de mixer, avant de faire la fille et le garçon. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la sérénité et la cohésion règnent au sein de la communauté bangoua, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et même au niveau de la diaspora. Même s'il y a des petits soubresauts, ce n'est plus tellement violent comme par le passé. Donc, par l'appui des notables, des dignitaires du royaume, des élites, nous sommes parvenus à pacifier la communauté. Une initiation pouvant en cacher une autre, Ndjampou Annick Julio revient à la formation académique. Je suis allé à Tchang, où j'ai eu la capacité en droit. Ça m'a permis de m'inscrire en première année droit à l'université. J'ai terminé avec un master 2 en gouvernance locale et décentralisation. Et en 2017, j'ai bénéficié d'une bourse nationale pour suivre une formation à l'ENA de Paris. Et la formation portait sur la promotion et la valorisation des biens culturels et naturels. Autre préoccupation du roi des Bangoua, quelques projets de développement social et économique. Donc, concrètement, par le passé, nous avons initié un vaste projet d'adduction d'eau potable. Je puis dire que c'est le tout premier projet phare que j'ai initié en 2005 pour apporter une solution aux problèmes des populations. Et ce projet a connu l'adhésion de la population. Et il a été soutenu par des partenaires tels que la fondation Veolia en France, et la ville de Paris également, l'agence de l'eau Seine-Normandie et beaucoup d'autres partenaires. Et surtout porté à l'époque par la diaspora bangoua de France. Et il fallait penser, embrayer maintenant à d'autres projets. Et d'où ce concept d'écotourisme que nous avons mis sur pied. Nous avons commencé par renforcer le reboisement sur le site du projet. Et l'autre pont du projet consiste également à réhabiliter les cultures ancestrales. Sur le site, vous allez voir également, il y a un atelier pour la promotion des matériaux locaux, justement. Donc, et il y a le volet agriculture également, qu'on parle, d'écotourisme. Là, ça englobe l'agriculture biologique, l'élevage et la promotion de l'habitat écologique en même temps. Dans le domaine agricole, le roi prêche par l'exemple. Fo Ndjampou Tchatron descend sur le terrain, la révolution verte est en marche, des hectares de terre sont cultivés. À quelques encablures de son palais, le faux a une exploitation de maïs qui s'étend à perte de vue. Une production à la vente, mais surtout à la consommation pour les populations dont il a la charge à Bangoua.
C'est en connaisseur, en agriculteur et fier de l'être, qu'il s'adonne à ses travaux champêtres. Nous avons mis en valeur près de 3 hectares de maïs pour montrer déjà l'exemple. Parce que le chef, au-delà du trône, il mène des activités pour... il est père de famille, pour nourrir d'abord sa propre famille, nourrir le peuple. Et puis, donner des présents aux amis et puis à nos visiteurs. C'est un champ expérimental ici. J'ai dit, c'est les cultures. J'ai une plantation de bananeraies, et une saison de l'élevage. On essaie de varier en fonction des saisons. Donc, le chef est toujours en activité. C'est la première fois que nous nous ouvrons aux médias pour voir un autre pan de vie. Cette exploitation expérimentale est une opportunité pour les agriculteurs du village Bangoua de se détourner des méthodes empiriques, de voir et d'apprendre des techniciens chargés des plantations du chef les différentes approches modernes de culture et d'élevage et d'être ainsi au diapason des avancées technologiques dans ce domaine, ce qui va sûrement déboucher sur la production des récoltes de qualité. Avec l'aide de 2 techniciens agronomes, il a opté pour une agriculture moderne, productive en quantité et en qualité. Zachin Ngoko, vous êtes ingénieur agronome et vous travaillez en collaboration avec le chef Bangoua dans le cadre justement de ces plantations. Comment est-ce que vous avez conçu et parlez-nous aussi surtout de la différence entre ce champ, on voit cette couleur, et le champ traditionnel. Alors, comment est-ce que vous avez aidé, n'est-ce pas, Sa Majesté, à mettre sur pied ce projet? Oui, merci Jean-Marie. Étant revenu au village cette année, je me suis dit, Sa Majesté est complètement impliquée dans le développement. Mm-hmm. Et qu'est-ce que je peux faire en tant qu'ingénieur agronome de formation de base? Mm-hmm. Et quand il m'a parlé du projet maïs, je lui ai dit que j'ai fait 30 ans dans le maïs, non pas seulement au Cameroun, mais dans les pays européens et en Amérique. Et que moi j'ai une très grande expérience dans le maïs, c'est que je voudrais qu'il fasse un maïs qui soit comme un champ de démonstration différent des autres champs. Ce qui fait que nous sommes venus ici pour le design, faire un filet de la façon scientifique. Et il a fait venir un tracteur qui a labouré ce terrain. Nous avons mis un dimensionnement pour avoir au moins 60 000 plants à l'hectare ici avec les dimensions conventionnelles. Et il a trouvé une très bonne variété de maïs qu'on a mis ici. On est en train de suivre avec lui. Tu peux voir la différence entre le maïs que tu vois ici, en termes de qualité d'épi, en termes de couleur de la feuille qui est complètement verte, idem de maladies et de carence. Comparé au champ que tu vois en face, dans lequel tu as une carence en azote, tu as une carence en phosphore. Mais comme je ne suis pas toujours présent tout le temps, donc il a grâce d'avoir Eric Nounou, technicien d'agriculture, et qui travaille sur la zootechnie aussi. Juste à côté de nous, Nono Samen Eric, alors votre travail c'est quoi concrètement dans ce projet? Moi, je suis zootechnicien de profession. Donc mon travail ici, je suis passé au dimensionnement du champ, passé au semis, passé au suivi des pendages des matières organiques, des engrais et autres. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Ce maïs, nous sommes déjà à 100 jours d'âge. À 150 jours, ça va se récolter. Donc une partie serait pour l'élevage, l'autre partie serait pour la consommation domestique. Est-ce que en plus de ce maïs, il y a autre chose, le haricot par exemple? Est-ce que vous avez autre chose en tête que vous allez planter? Oui, en agriculture, les choses sont toujours planifiées. Mm-hmm. Le terrain n'est jamais libre. Okay. Après un, il y a succession de l'autre. Après ce maïs, il y aurait de l'haricot. Okay. Après ce maïs, il y aurait du soja. Okay. Et ailleurs, on a autre culture qui est différente de ces céréales, comme le banane plantain, le macabo et autres. Et vous allez voir ici que dans le champ voisin que vous voyez, on voit une carence en azote. Les feuilles jaunes, c'est une carence en azote. Vous voyez ici, cette plante, c'est une plante poupe. C'est une carence en phosphore qui a été depuis le semis. Par rapport au champ que vous voyez ici, qui est complètement vert, et c'est ça qu'on cherche pour la chlorophylle. Et c'est pour ça que les épis ici doivent être différents des épis que vous trouvez dans ces conditions. Le rendement dans ce côté sera meilleur que le rendement dans l'autre côté. Le développement de l'écotourisme et de l'élevage fait partie des activités du souverain. L'espace culturel local a été remodelé grâce à la transformation de la montagne écologique Loua en lieu de randonnée touristique et sportive.
nous avons derrière nous un autre pan du projet d'écotourisme, comme je l'ai mentionné très haut. Nous faisons l'agriculture biologique, l'élevage biologique également. Mais malheureusement, nous avons perdu tout notre cheptel. Cette porcherie a une capacité de 150 porcs. Et nous en avions une cinquantaine pour un démarrage. Et la peste porcine qui sévit en ce moment a décimé tous nos porcs. Nous lançons un vibrant appel aux fils et aux filles Bangwa et aux hommes de bonne volonté, parce que nous ne comptons pas croiser les bras après le vide sanitaire que nous allons observer et effectuer dans la porcherie. Nous comptons relancer avec nos activités. Le village Bangwa, c'est aussi son musée. Véritable conservatoire d'art et d'histoire, y sont exposées des photographies, des masques, des statuettes, des tableaux plastiques, ainsi que des ouvrages littéraires qui retracent l'épopée de ce peuple fondé au XIVe siècle. Véritable vitrine historique, anthropologique et spirituelle du village Bangwa, le musée communautaire est un centre culturel fréquemment visité par les touristes étrangers et où sont exposées les richesses et le know-how de ce peuple. Aujourd'hui, le roi et le peuple Bangwa attendent avec beaucoup d'espoir la restitution par les Occidentaux des œuvres d'art parties à la faveur du pillage colonial. Saluons, moi personnellement, j'encourage cette initiative de la diaspora camerounaise en général pour amener nos amis européens à comprendre que ces objets qui détiennent chez eux appartenant à certaines communautés africaines en général ou camerounaises, ce ne sont pas uniquement des objets pour la galerie, voilà, seulement pour la galerie. C'est des objets que nos grands-parents, nos aïeux utilisaient pour des initiations. Donc, il y a des objets vraiment culturels, comme vous avez dit, que nous préservons et que nous continuons à préserver parce que ça regorge tout un ministère. Pour les filles et fils Bangwa et Ankitl Berkay, le roi a tenu à leur rappeler la nécessité de rester connectés, d'éviter la rupture avec les us et coutumes ancestrales. Je profite pour lancer un appel à l'endroit de cette jeunesse. Parce qu'elle a tendance à se délier de sa tradition ou de ses us et coutumes. Et c'est à tort. Le chef que je suis, j'essaye d'être proche de ces jeunes. Je continue à les sensibiliser pour les amener à comprendre. Il y a un proverbe qui dit « Quand tu sais là où tu sors, tu sais là où tu vas ». Ces jeunes qui ont tendance aujourd'hui à bafouer ou à ignorer leur tradition, c'est vraiment à tort. Il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils rentrent de temps en temps à la source auprès des parents, des grands-parents, de leurs chefs, pour apprendre l'histoire, pour apprendre de nos traditions et pour être des vrais hommes de demain. Je profite de cette occasion pour informer la diaspora Bangwa, non seulement la diaspora, la communauté Bangwa partout où elle se trouve, qu'il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous appropriez vos coutumes,
dès cette année, la fin de cette année, nous allons mettre au niveau du royaume Bangwa un centre d'alphabétisation, d'initiation en langue maternelle. C'est un projet ambitieux. Les moniteurs sont déjà en formation et pendant ces vacances, ils vont faire des tests au niveau local, au niveau du village, parce que ce problème de langue, ce n'est pas seulement une affaire de la diaspora. C'est même au sein de la communauté, même à Bangwa même, vous voyez des gens, des jeunes, des enfants, qui ne s'expriment pas en leur langue maternelle. Pendant les vacances, il y a des enfants, nos enfants, ils vont s'inscrire, ils vont s'initier, on doit les initier à écrire et à parler la langue Bangwa, langue Ndanda. Comme je parlais du centre d'alphabétisation, avec le soutien également des uns et des autres, nous allons mettre des outils de communication, la technologie de pointe, pour permettre à nos fils qui sont partout, à Douala, Yaoundé et au niveau de la diaspora, de s'inscrire. Et il y aura des plages horaires qu'on pourrait leur attribuer pour leur apprendre à écrire et à parler couramment leur langue. Il y a la documentation également que nous sommes en train d'apprêter pour renforcer cette initiation. La célébration du 20e anniversaire de l'accession au trône de Fondjambou Tchatchon se prépare. Il en relève les principales orientations. Comme articulation, nous pouvons déjà retenir que cette célébration doit se faire sous un fond culturel. Nous allons commencer par des funérailles. Après les funérailles, l'apothéose de la célébration de 20 ans, ce sera cette grande danse royale, qui est la danse Nzou. Et il y aura des activités sportives et d'autres activités culturelles, la foire gastronomique. Là, ça doit être vraiment une cérémonie riche en couleurs et en son et en sonorité traditionnelle. Merci à Mediade, à nos fils qui prêchent par l'exemple. Comme je disais tantôt, quand vous déportez pour venir à notre rencontre, là c'est déjà une grande bénédiction également pour vous. Même nos aïeux, ils nous écoutent. Ils seront fiers là où ils sont, de savoir que leurs fils, leurs enfants sont en train de se battre au-delà de nos frontières pour faire connaître nos coutumes et nos traditions. Merci encore une fois de plus. Politique, développement traditionnel et culturel, promotion de l'écotourisme, la communauté Bangwa, avec à sa tête Fo Ndjampou Tchatchon, est parée pour relever les défis du XXIe siècle.